très Bryant. Aujourd'hui, tous les pianistes de jazz jouent avec l'accompagnement d'un contrebassiste et d'un drummer. Vous avez choisi de jouer en piano solo. Pourquoi? Well, usually I do have the bass and the drum accompaniment. Habituellement, je joue avec un accompagnement de basse et de batterie. J'apprécie autant les deux manières, mais il se trouve que je n'ai pas souvent l'occasion de jouer en solo, parce que, aux États-Unis, la plupart de mes engagements se situent dans des nightclubs, ce qui nécessite d'avoir avec soi la puissance de la batterie et de la basse. I like to play solo any chance that I get. Mais j'aime jouer en solo aussi souvent que je le peux. J'ai fait peu de disques de piano solo. Il y a quelques années, j'ai enregistré Alone with the Blues, mais je n'ai pas fait d'autres disques en solo jusqu'à l'album enregistré à Montreux en 72. J'adore jouer seul et ici en France, je suis ravi de pouvoir faire cette série de concerts au cours desquels j'ai enfin la chance de jouer en solo. Maintenant, Ray, j'aimerais que vous nous parliez de vos goûts en musique, de vos musiciens favoris, aussi bien les pianistes que les solistes ou les arrangeurs, ou etc. Well, my favorite pianist is Art Tatum. Mon pianiste préféré est évidemment Art Tatum. Bien sûr, Tatum est le favori de pianistes tels que Earl Hines ou Fats Waller. Et par l'intermédiaire de Tatum, j'ai apprécié Hines et Waller. Fats Waller and Earl Hines, anybody else. And I also liked Teddy Wilson very much. J'aime aussi beaucoup Teddy Wilson. Quand la période bop est arrivée, mon préféré était Bud Powell. Voici quels sont les pianistes que j'aime entendre. These are the three that I consider on top, for me to listen to. These are the men that I really listen to. Thank you.
et voulez-vous nous parler de votre vie de musicien? J'ai commencé l'étude du piano à l'âge de 8 ans. J'ai débuté par le piano classique en prenant des leçons pendant environ 8 années. Mais quoique pratiquant classique, à l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai commencé à fréquenter les jam sessions. J'ai joué dans de petits orchestres de Philadelphie, ville où j'habitais. Et à 14 ans, je me suis inscrit au syndicat des musiciens et suis devenu professionnel. Deux ou trois ans après, je suis parti en tournée avec Tiny Grimes. C'était mon premier véritable travail de musicien professionnel. Depuis cette époque, j'ai joué avec à peu près tous les musiciens. Since then, it's been, I played with just about everybody, I think. I had a job in Philadelphia where I was the j'ai été le pianiste maison du club Blue Note de Philadelphie, et c'est là que j'ai rencontré la plupart des grands musiciens avec lesquels j'ai travaillé, Lester Young, Charlie Parker, J.J. Johnson, Miles Davis, Charlie Shavers, Roy Eldridge, etc. C'est ainsi que les choses ont commencé. Puis, j'ai eu envie de former mon propre trio que je maintiens depuis 1960, et voilà où en sont les choses. Then I got the idea that I want to have my own trio, which I've had since 1960.
Thank you.
et voulez-vous nous parler de votre vie de musicien? J'ai commencé l'étude du piano à l'âge de 8 ans. J'ai débuté par le piano classique en prenant des leçons pendant environ 8 années. Mais quoique pratiquant le classique, à l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai commencé à fréquenter les jam sessions. J'ai joué dans de petits orchestres de Philadelphie, ville où j'habitais. Et à 14 ans, je me suis inscrit au syndicat des musiciens et suis devenu professionnel. Deux ou trois ans après, je suis parti en tournée avec Tiny Grimes. C'était mon premier véritable travail de musicien professionnel. Depuis cette époque, j'ai joué avec à peu près tous les musiciens. Since then, it's been, I played with just about everybody, I think. I had a job in Philadelphia where I was the J'ai été le pianiste maison du club Blue Note de Philadelphie, et c'est là que j'ai rencontré la plupart des grands musiciens avec lesquels j'ai travaillé, Lester Young, Charlie Parker, J.J. Johnson, Miles Davis, Charlie Shavers, Roy Eldridge, etc. C'est ainsi que les choses ont commencé. Puis, j'ai eu envie de former mon propre trio que je maintiens depuis 1960, et voilà où en sont les choses. Then I got the idea that I want to have my own trio, which I've had since 1960.